Salut, salut à toutes, salut à tous. Nous voici ensemble à nouveau réunis et je m'en réjouis pour découvrir la suite de cette version remasterisée de Tomb Raider, le tout premier du nom. Alors d'abord, sachez qu'aujourd'hui le fantastique va s'inviter. Oui, le fantastique. Nous allons nous plonger dans une autre ambiance que celle que nous avons connue jusqu'à présent. Je ne vous en dis pas plus. Tout comme je ne vous dirai pas qui sera l'invité du jour, car il y aura une interview aujourd'hui encore à la fin de la séquence. Je vous laisse découvrir de qui il s'agit, je le préfère, car bah, pour les plus habitués, hein, pour les anciens abonnés qui regardent la chaîne depuis de nombreuses années maintenant, eh bien c'est une surprise qui va leur faire plaisir, je n'en doute pas. Restez là. Mais avant toute chose, je voulais revenir sur quelques-unes de vos demandes. On m'a d'abord demandé d'expliquer un peu plus en détail le système de ciblage. C'est vrai que ça n'est pas évident de le comprendre quand on est habitué à des jeux modernes. Alors, le ciblage dans Tomb Raider, Lara Croft va viser et va verrouiller les ennemis qui sont face à elle et les plus proches. Donc elle prend le premier qu'elle voit. Si vous voulez changer de cible après avoir tué l'ennemi, il faut arrêter de tirer sur lui et laisser Lara en viser un autre. Elle le fera d'elle-même, sans difficulté. Voilà, si vous ne voulez pas qu'elle reste sur quelqu'un et que vous voulez tirer sur plusieurs ennemis à la suite, eh ben, essayez de vous déplacer vers les uns et vers les autres et de n'appuyer qu'à répétition sur la touche de tir. C'est pas très évident non plus, mais ça peut fonctionner. Je m'en sers quand il y a beaucoup trop d'ennemis et qu'ils m'entourent. Voilà, et puis on m'a demandé aussi de faire une comparaison avant-après, un peu plus souvent, hein, d'appuyer sur le bouton qui permet de changer les graphismes et de montrer ceux de l'époque, de 1996. Alors je l'ai déjà fait un petit peu, j'essaie de ne pas trop en abuser pour une bonne raison, car j'y ai pensé aussi, hein, figurez-vous, mais je me dis que ça casse un peu l'ambiance de changer sans arrêt. Alors je vous ai montré les choses qui pour moi étaient vraiment mises en avant dans cette nouvelle version, comme les crânes, hein, vous êtes quelques-uns à l'avoir relevé, ces crânes en relief, mais je vous montrerai aujourd'hui, je l'ai déjà faite la vidéo avant même que vous me demandiez de faire ces petites comparaisons, j'avais déjà pensé à le faire parce que dans le niveau que nous allons découvrir aujourd'hui, bah, y a encore des raisons de vous montrer tout ça. Ah, et puis la croix rouge devenue verte. Eh bien, j'avais imaginé, en lisant certains de vos commentaires, que ça venait sûrement d'une demande de la Croix-Rouge internationale, je vous le confirme. Comme le disait la Ryder, c'est vrai que dès la sortie de l'extension de Tomb Raider 2, The Golden Mask, le masque d'or, eh bien, la croix avait changé de couleur, parce que la Croix-Rouge, eh bien, est propriétaire de ce symbole, tout simplement. Et puis quelques-uns, en parcourant avec moi le niveau de la dernière fois, la cité de Vilcabamba, se sont souvenus que ce niveau servait de démo sur un disque qui était paru en 1996, qui permettait de donner un avant-goût du jeu, et beaucoup bah, l'ont acheté après avoir joué à cette démo, évidemment, parce que c'était totalement nouveau, des mondes 3D comme celui-ci, et Max Umbrella n'y a pas échappé, tout comme Redon de Première, dont vous lisez le commentaire. Voilà, c'est vrai que en plus de ça, lorsqu'on achetait le jeu à l'époque, que ce soit sur PC ou sur console, on avait aussi une démo qui s'activait d'elle-même si on restait sur l'écran d'accueil quelques instants. Cette démo nous montrait notamment le début de la cité de Vilcabamba et le début du niveau que nous allons faire ensemble aujourd'hui, la vallée perdue, où l'on découvrait que Lara pouvait faire un saut de l'ange. Ben oui, elle pouvait, et je vous ai montré qu'elle pouvait le faire, mais on va y revenir aujourd'hui encore. Au passage, cette démo n'est plus présente dans la version remasterisée. À présent, plusieurs questions et demandes de Johan, j'espère que je le dis bien. D'abord, il se pose la question suivante, est-ce qu'on peut réaliser le saut retourné lorsqu'on est en mode ancien? Eh bien oui, bien sûr, ils l'ont implémenté, hein. Les mouvements que vous pouvez faire dans le mode moderne existent aussi dans le mode ancien. C'est clair? J'espère. Deuxième question, lorsque je montre Lara avec ses lunettes, c'est vrai que je n'ai pas trop insisté, j'aurais pu utiliser le mode photo, donc vous voyez ici Lara avec ses lunettes rouges. Des lunettes qui étaient présentes aussi dans le menu des options à l'origine, elles n'y sont plus, elles servaient à régler l'affichage sur PC et sur PlayStation. Troisième question de Johan, y a-t-il des choses intéressantes écrites sur le passeport de Lara? Alors, c'est tout simplement la copie d'un passeport traditionnel, on y voit simplement écrit Miss Lara Croft. Je n'ai pas vu de date de naissance, hein, j'ai essayé mais je n'ai rien vu, mais ce qui est intéressant c'est de regarder l'endroit où sont tamponnés les visas. Vous savez, quand Lara arrive dans un pays, eh bien on met le tampon d'un visa sur les passeports. Là, on va voir au fur et à mesure du jeu les visas,
arriver. On aura le Pérou à la fin de ce niveau, on aura les niveaux suivants, je vous laisserai les découvrir. On a déjà le cachet du Machu Picchu, puisque c'est juste à côté de là où se trouve Lara. Et puis, quatrième question, vais-je faire à Lara une pause photo à côté d'un T-Rex ? Quelle bonne idée, vous avez regardé l'intro, j'espère. Marvelous93 me recommande quant à lui d'utiliser ma manette PS5 en la branchant sur mon PC. Bah c'est vrai, tiens, j'avais essayé au tout début et puis j'ai complètement oublié que ça pouvait se faire. Alors j'ai même m'en acheté une autre histoire de pouvoir profiter de l'une sur la PS5 et de l'autre sur mon PC. C'est vrai que ma manette Xbox elle est bruyante, vous entendez parfois les petits clics, et en plus de ça, je trouve que ces joysticks ne vont pas au bon endroit, c'est pas toujours top. Non, bah ouais, que voulez-vous. Quand on est habitué à une manette, c'est dur d'en changer. Et puis, après avoir lu vos questions sur les armoiries présentes au plafond, je vous avais dit que c'était typique des manoirs anglais sans aller plus loin, eh bien, Kanzaki 7681 a cherché et a trouvé pour nous. Il s'agit donc des décorations du plafond que l'on peut voir dans la salle à manger d'Addon Hall. Ça se trouve dans le Derbyshire en Angleterre. Merci beaucoup d'avoir fait cette recherche, merci beaucoup. Ah, les trophées, mes amis. Grégoire les a déjà tous parcourus ou presque, et il m'a dit que j'en avais raté. Alors je ne les ai pas montrés parce que je ne les connaissais pas, tout simplement. Je ne cours pas après spécialement, je vous montre ce que j'arrive à obtenir. De temps en temps, je m'y essaye lorsque j'en connais certains, parce qu'il m'arrive de parcourir les sites web pour découvrir ce que je pourrais en faire. Et il nous parle notamment de celui qui consiste à amener les 11 loups du niveau de la cité de Vilcabamba jusque devant le temple au toit rouge. Je vais m'y essayer. J'ai réussi un autre des trophées qui consiste à aller chercher la clé et l'idole d'or dans le niveau d'avant et à revenir non pas par les toits mais à revenir par le chemin que nous avons emprunté à l'origine. Regardez, ça n'est pas évident mais on peut le faire. Tout de suite, découvrons la vallée perdue. Allez, nous entrons dans ce tout nouveau niveau, et croyez-moi, il est vaste celui-là. Et on entend de l'eau. C'est tout à fait normal et vous allez ici être très prudent parce que on s'en rend moins compte dans la version moderne du jeu, mais regardez, on voyait beaucoup plus d'animation au niveau de l'eau ici, signifiant qu'il y avait un courant. Bon, c'est un petit peu dommage, hein, vous êtes plusieurs à m'avoir fait cette remarque sur l'eau. On aperçoit là-bas une cascade. Alors, que se passe-t-il ici ? Je vous propose de faire le tour du propriétaire. Hein. Vous savez qu'on va d'abord essayer de comprendre le niveau. C'est toujours mieux. Il en fallait un, au moins un. Donc vous le constatez, c'est assez labyrinthique, mais bon, il n'y a qu'une seule route. Le tout, c'est de ne pas tomber à l'eau. Parce qu'évidemment, Lara n'a pas forcément très envie de se mouiller, mais surtout, eh bien, vous allez comprendre les misères que cela peut provoquer. D'abord, regardez ce que nous trouvons ici. Alors c'est intéressant, il y a une machine en face de nous. Là, sur le côté, oh, on va utiliser la caméra, enfin le mode photo, vous voyez, ça c'est bien pratique. On aperçoit cette porte qui ferme la zone. Et vous avez vu ? Vous avez vu ? Hein ? Voilà. On voudrait bien obtenir tout ça. On pourrait le faire hein, en se laissant glisser. Regardez où ? En se laissant glisser ici précisément. Voilà. Mais bon, on va pas le faire maintenant. Un levier. Très bien. Ah bah zut ! Alors vous pourriez vous dire, je vais essayer de traficoter là autour, mais... Non. Elle ne veut pas. Elle est comme ça. Alors vous allez vous dire, je vais aller explorer l'eau. Alors essayons de tomber à l'eau. Et là, vous essayez de remonter, et ça ne marche pas. Lara ne s'arrête pas. J'ai beau essayer, elle ne s'arrête pas. Et la voilà plongée au fond de ce lac. Alors je profite d'être ici pour me mettre à l'abri, parce que vous l'avez peut-être aperçu rapidement, mais il y a deux loups de l'autre côté. Ah bah oui, restez à l'abri, ce serait plutôt prudent quand même. Hein. Alors on va pouvoir les combattre, hein, si vous voulez faire un Nomad's Run, un parcours sans trousses de secours. Eh bien vous pouvez jouer les lâches et éliminer les loups.
Attention, il y a un petit passage, là il y a une grotte, mais attention, il y en a un autre là. Voilà. Ne vous laissez pas surprendre, sinon il vous saute dessus. Ça n'est pas le seul, bah oui, c'est infesté de loups par ici. Si vous allez par erreur ici, que vous glissez, bah je vous conseille de vite remonter. Parce qu'il y a du monde là en bas. Vous allez vite les voir. Voilà. C'est très lâche, hein, vraiment très lâche. C'est un guet-apens qui, bah, regardez, nous emmène vers un lieu qui ne sert à rien, c'est sans issue. Alors à l'origine, hop, c'était bouché là-haut, vous voyez. Hop, je remets le ciel. Là, on a, je voulais expliquer des notions d'éclairage un peu plus intéressantes. On m'a fait une demande, au fait. Ah oui, j'oubliais. Attention, j'allais me cogner, je regardais ma lampe qui était mal placée. On m'a fait une demande, c'est vrai que je ne l'ai pas montré ce coup-ci. On m'a dit, est-ce qu'on peut utiliser la figure qui consiste à faire le poirier? Vous vous souvenez? Bah oui, ça est toujours présent. Alors pour le faire, le poirier, bah, on va faire comme ça d'abord. On va sauter et se suspendre. Et pour que ça fonctionne, vous laissez enfoncer la touche marcher, ici. Vous laissez aussi enfoncer la touche action. Et vous avancez. N'est-ce pas magnifique? Alors ça fonctionne aussi avec le mode moderne. Attends, je vais essayer de le faire avec le mode moderne. Non, c'est l'autre bouton. Je me trompe à chaque fois. Hop là, si on se met en contrôle moderne, c'est la touche R2 qui me sert à faire action. La touche avancée pour se suspendre, voilà. Et si j'appuie sur carré, la touche carré c'est la touche sur, sur Xbox et X, que j'appuie sur carré et que j'avance, Lara fait aussi le poirier. Ça fonctionne dans les deux modes, soyez rassurés, vous ne perdrez pas ça. Wow. Elle se remet en place. Je me trompe encore de menu. On va remettre le mode que je préfère, hein, le contrôle du char. Et nous allons continuer à progresser. Le saut de l'ange, je vous en ai parlé déjà. Donc je n'y reviendrai pas. Et là, ne ratons pas, je ne m'arrête plus moi, je veux avancer. Ne ratons pas ceci. Alors, je vais me permettre une sauvegarde, non pas parce que je crains ce qui va venir, vous savez ce qui arrive, pour ceux qui connaissent bien le jeu, non, tout simplement parce que je vais vous montrer comment obtenir deux trophées différents. Et sans ça, ah oui, alors on va utiliser F5, je préfère, c'est plus sécure. Voilà, on va sauvegarder ici. Ça, je pourrais reprendre ma sauvegarde là où je me suis arrêté. Alors, vous avez une solution ici. Bah, c'est d'éliminer tout ce qui traîne. Des raptors, mes enfants, des raptors. Que font-ils ici, les raptors? On peut se demander. Sommes-nous dans Jurassic Park? Alors il faut bien comprendre une chose, c'est qu'à l'époque où le jeu est sorti, bah, Jurassic Park, Denver, le dernier dinosaure, tous ces gens-là, toutes ces choses-là, ces espèces-là, étaient en vogue. Et oui. Alors si vous voulez vous protéger des raptors, je vous le montre, vous pouvez très bien monter sur les éléments de décor comme celui-ci, il y en a d'autres là-bas en face, qui vont vous permettre de vous mettre à l'abri, évidemment. Vous voyez, il y a plein de petites zones comme celle-ci. Et là, avançons. Ah, c'est pas là l'abri. Je voulais me mettre à l'abri, moi. L'abri est là. Vite. Ah, ah, ah. Il se cache lui aussi, hein. Ah.
Il m'a donné un coup de griffe. Bon, je me suis un peu amusé à vous montrer surtout qu'il y avait un abri. Vous pouvez rester dans l'abri, sortir et re-rentrer, mais vous pouvez aussi tenter d'affronter le dino. Alors là, on gagne un trophée, mes enfants. Un trophée concerne l'extinction de ces T-Rex, car c'est un T-Rex que nous avons tué ici. Et puisque nous ne voyons pas les trophées sur GOG pour l'instant, eh bien voici celui que j'ai obtenu sur PS5. Avec ce T-Rex, ce Tyrannosaurus Rex, un type de dinosaure qui a vécu il y a environ 68 à 66 millions d'années. Et le Tyrannosaurus Rex, roi des lézards tyrans, c'est le sens, eh bien c'est certainement la plus célèbre espèce de dinosaure. Ok, qu'est-ce que je voulais dire ? Qu'il y a plein de petits passages par ici. Alors, le premier, c'est celui dans lequel je me suis mis à l'abri. Je vais garder mes pistolets. Parce que vous le constatez, il y avait du danger par là. Alors, je passe par là, mais il n'y a pas vraiment d'intérêt. Vous le voyez, on ne trouve rien ici. Je ressors par ici. Donc je suis dans la zone où était le T-Rex à l'origine. On va aller un peu plus loin plus tard. Je reviens sur mes pas, il y a une autre galerie qui est sous celle que nous venons de parcourir. Je fais n'importe quoi. C'est du Morlock tout craché, ça. Où est-il ? Il est là. Oula, attention. Je ne l'ai pas vu, parce que j'ai pas ma caméra dans le bon sens. Bah oui, parfois elle nous joue des tours. Et de ce côté-ci, ça valait la peine de venir s'accrocher par là, hein, vous voyez. Parce que ce que nous cherchons, mes amis, ce sont les objets qui vont nous permettre de débloquer la machine. Et nous sommes venus les chercher dans cette vallée perdue que Lara vient d'explorer et de découvrir. Jolie musique que vous entendrez à chaque fois que vous trouverez l'une de ces roues dentées. La traduction là est meilleure que dans l'original où ça s'appelait pièce machine. Je trouvais ça plutôt moyen personnellement. Là il faut jamais faire ça. J'étais un peu trop près du bord, j'ai appuyé sur roulade parce que je voulais faire ça, vous voyez. Mais j'étais trop près du bord, j'aurais pu me blesser terriblement. Vous pouvez plonger dans l'eau ici, pas la peine de reprendre le parcours inverse, car il y a une autre sortie qui va nous conduire là où nous souhaitons aller à présent. Et à nous les secrets maintenant, il y en a beaucoup 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 dans cette zone. Au total 5 secrets dans le niveau, il y en a un là, caché dans ces rochers. C'est un tout petit secret. Mais il offre quand même des cartouches fusils, vous le constatez. 2 cartouches par boîte. Un autre secret se trouve là. Je voudrais monter, Lara. Pour l'atteindre, il faut être très précis, parce que Lara ne savait pas ramper à l'époque. Elle a appris à ramper 2 ans plus tard. Hein. Alors, il faut, oui, pour que je vous explique, il faut vous mettre bien au bord. Vous pouvez faire des pas chassés en gardant la touche marche enfoncée et en allant vers la droite ou vers la gauche. Faites des pas chassés pour qu'elle s'arrête au maximum sur le côté droit. Sautez et accrochez-vous. Voilà. Et maintenant, balancez-vous jusqu'à la cascade. Ne craignez rien, l'eau ne vous entraînera pas. Allez comme ça, Lara. Ces gants sont antidérapants. Arrêtez-vous ici, à l'endroit où est la jonction des textures. On la voit mieux ici, vous voyez. Je reviens, voilà. Et montez. Ou avancez, si vous préférez. Je vais arriver à faire des mouvements complets. Et un secret. Des cartouches Magnum, vous les voyez. Et fusil. On va nous gâter dans ce lieu. Les textures sont du plus bel effet ici.
tandis que je repars. Et nous allons aller vers le secret suivant, mais regardez bien là-bas, vers le temple qui est tout au fond. Nous avons réveillé deux raptors. Alors, n'ayez pas peur des raptors, vous faites des sauts arrière comme je le fais tout en tirant. Oh ben il est pas mort. Ou sur le côté, hein, il faut toujours être mobile dans Tomb Raider. Et là j'avais oublié de changer de cible, vous le constatez. Voilà, les deux raptors sont morts, donc faites des sauts. Vous gardez la touche sauter enfoncée, c'est l'idéal, hein, comme ceci, mais vous allez dans tous les sens, tout en appuyant sur la touche action pour tirer. Et Lara vous permet d'éviter bien des tourments. Avant d'aller dans le temple, parce qu'on est tenté bien sûr d'y aller tout de suite lorsqu'on arrive ici, regardez quand même les petits effets qu'ils ont mis, hein. Ça change de ces choses-là qu'on avait avant, hein. Bon, il ne faut pas cracher dessus, mais vous avez vu, hein, l'effort qui a été fait, c'est joli. Joli comme tout. Et oui, là, alors je cherchais ma roche, la roche qui m'intéresse est ici, si je ne dis pas de bêtises, voilà, c'est celle-là. C'est la seule sur laquelle vous pouvez grimper dans la zone où je me trouve. Et vous allez voir que bah, si vous avancez, vous allez glisser, là, la roche devant nous est glissante. Donc on va devoir faire un saut assez bien placé pour viser la partie juste en haut, là, regardez, hop, je fais un tout petit saut, et je glisse et je tombe, parce que j'ai mal calculé mon saut. Bah oui, ça c'est terrible. Hop, je me mets bien en place. Voilà, vous faites comme moi. Et un dernier petit saut vers là. Enfin, un dernier non, il y en a encore d'autres à faire. Voilà, il faut monter le plus haut possible. On ne croirait pas pouvoir le faire hein, lorsqu'on arrive ici, et pourtant. Alors regardez, on ne les voit pas très bien, heureusement là finalement qu'il y a les points d'exclamation à l'origine. C'était quand même un peu plus voyant, un peu plus visible, d'autant que les croix étaient rouges, on les voyait mieux sur les trousses. Et même les cartouches là, j'aurais eu du mal à les voir, hein, les cartouches Magnum. Là pareil, on en a pour une autre arme. Alors est-ce que vous connaissez cette arme? Regardez, ce sont des chargeurs Uzi. On va regarder tout ça, ben non c'était là. J'étais au bon endroit. Nous avons donc les cartouches fusils, les chargeurs Magnum et les chargeurs Uzi qui nous permettent de comprendre quelles seront les armes auxquelles nous aurons affaire dans le jeu. Et nous en avons encore ici. Vous avez vu comme ce secret est généreux, ça aurait été dommage de le rater. Et là, hop, on va se laisser glisser comme ceci. Et hop là! Nous allons aller dans le temple maintenant. C'est le temple que nous avons vu, là où étaient les raptors que nous venons de tuer. Et ici, sans autre forme de procès, essayez de faire un joli saut de l'ange, pas comme moi. Hein. On va le refaire. Allez, Morlock, c'était une répétition. On recommence. C'est beaucoup plus joli. Ah, regardez là au fond. Alors j'aime à le dire, ce qui a plu beaucoup aux joueurs, comme moi d'ailleurs, hein, dans Tomb Raider, c'est cette ambiance de solitude. On est seul face au danger, on est seul depuis le moment où les portes se sont fermées, laissant notre guide mort dans la neige. Et donc forcément, on n'est pas très à l'aise lorsqu'on avance dans ces galeries. On ne sait pas ce qu'on va trouver au tournant. Et je vous le disais la dernière fois, il est toujours bon de ralentir lorsque vous arrivez quelque part, afin de ne pas faire de bêtises, hein. Pour pas tomber et se tuer. Alors là, je prends des précautions qui ne sont pas très utiles parce qu'on ne se blesserait pas ici ou très peu. Mais c'est toujours plus prudent d'agir comme ça.
Voilà, j'allais me tromper, je veux descendre par là, c'est plus prudent, regardez. Ça vous permet de descendre sans vous blesser, parce que si vous tombez du pont, vous pouvez vous faire mal, là. Ah, il y avait une queue de T-Rex ici, zut, j'ai failli lui marcher dessus. Mais bon, il est bel et bien mort. N'oubliez pas, j'ai sauvegardé, hein. Vous vous souvenez, j'ai sauvegardé, vous êtes d'accord avec moi? Bon. On y reviendra à cette sauvegarde. Là, on ne peut pas faire ça. Christophe, qu'est-ce que tu fais? C'est celui-là. Je vois mal à cause de l'éclairage qui n'est pas le même que dans l'original, où la pierre était beaucoup plus blanche et je la repérais plus facilement. C'est celle-là, voilà. Et on va monter. Revenir par le passage que nous avions emprunté initialement, bien sûr. Voilà, je me laisse tomber prudemment, hein. Descendez toujours comme ça. Comme on nous l'a expliqué lorsque nous étions dans la salle d'entraînement, hein. Il vaut toujours mieux agir de la sorte. Je les ferai tous, ces coins de mur. Maintenant, nous allons revenir. Alors, vous reconnaissez la cascade? Cette cascade, vous le voyez, si on veut aller dessous, y a un très fort courant. Hein. On a vu que la chute d'eau était quand même assez forte. On ne peut pas aller dessous. On ne peut pas remonter par la cascade de toute manière. Alors on va chercher dans ce chaos de rochers un moyen de grimper. C'était nécessaire, Lara. Voilà, nous sommes revenus à l'endroit où nous avons initialement débuté le niveau. Nous allons donc traverser à nouveau comme je l'ai fait tout à l'heure. Vous l'avez compris, nous les avons toujours, nos trois roues dentées nécessaires pour faire fonctionner le mécanisme. Et voici le mécanisme. Mais avant d'aller y mettre mon nez, on va le mettre d'abord le nez, oui, ce que je vous raconte. Voilà, mes roues dentées, je les place. Que suis-je en train de faire? Je ne voulais pas descendre, mais on va y revenir après ici. Il n'y a plus de courant puisqu'on a fermé les écluses. Et moi, je voulais d'abord me rendre là. Sauf que je ne peux plus. Bon, voilà bien, Morlock. Qu'est-ce que t'as fabriqué, mon gars? Bon, on reviendra ici après. Je ne voulais pas tomber comme je l'ai fait. Et pourtant, je suis tombé. Alors on va passer par là, car il me reste un secret à ramasser, mais mon doigt a glissé sur la manette, comme c'est souvent le cas. C'est pas bien grave. Poum ! On a failli se cogner. Donc nous empruntons ce passage inondé, tandis que vous l'avez constaté, j'ai récupéré la fameuse arme tant attendue, le fusil. Une galerie qui ne demande pas à être explorée, il n'y a pas de recoin ici. Il faut par contre ne pas tarder, hein. Quand on n'est pas très bon nageur au début, on a tendance à se noyer. Ah oui, ça m'est arrivé quand je débutais dans le jeu. Ben voilà un secret, un nouveau. Je voulais simplement vous montrer l'arme, voilà. Et les cartouches se sont mises à l'intérieur toutes seules, bien évidemment. Ici, on va en rajouter. C'est le quatrième secret. Et il me reste un cinquième que je voulais ramasser et récupérer juste avant, mais j'ai glissé. Je pensais qu'il n'y avait plus de courant, mais il y en a encore. Donc on va devoir se retaper le parcours, mes amis. Et pour la peine, je punis Lara pour avoir glissé aussi.
mollement. Je ne sais plus si le mieux c'est de sauter ici ou de se laisser tomber. Je dirais que c'est sauter. Ah, pauvre garçon. Mais qu'est-ce que je suis maladroit. Puis je voulais dire, j'aime pas du tout la manette Xbox que j'ai là. Elle est vraiment pas efficace. Je préfère mille fois ma manette PS. Hop, on va faire comme ça. N'oubliez pas les sauts latéraux, ça peut être très pratique. Et nous revenons dans la zone qui m'intéresse. Code Allée est venu. Tout ça parce que je veux vous garder un peu plus longtemps avec moi, hein. Vous savez, je suis comme ça. Voilà, donc vous l'avez compris, oula. Il y a une faille dans la roche ici qui est prévue pour nous permettre de rejoindre un secret. Et comme il y a encore un peu de courant là en bas de la cascade, je ne peux pas la remonter et rejoindre mon secret par la partie inondée. Pour une trousse de secours de plus. Alors, est-ce qu'il y a un moyen là de remonter? Je ne pense pas. Hein. Non, là, elle se cogne, c'est tout ce qu'elle fait. Alors, je ne pense pas qu'il soit possible de passer par-dessus le portail non plus. Mais d'ailleurs, on ne peut pas monter, là, c'est trop haut. Hein. Lara ne peut pas tendre les bras lorsque le rebord est trop élevé. On va marcher sur le squelette. Je vais essayer de voir, mais je ne suis pas sûr. Je vais peut-être devoir repasser par là où j'étais venu. Mais remarquez, tout à l'heure, j'aurais pu faire ça. Ah, je me rappelais pas qu'on pouvait faire ça. Bon, mais chemin inverse, pour la peine. Hein. Voilà. Donc, vous, n'oubliez pas, nous avons abaissé ce levier, mettant en fonction la machine. Ça a fermé un barrage qui fait que l'eau ne circule plus là où elle était auparavant. J'aime pas trop faire ce parcours dans ce sens-là. Hop. C'est pas très prudent. C'est bon pour se casser une jambe. Bon, une fois que vous avez récupéré le quatrième secret que j'ai ramassé, hein, vous n'êtes plus obligé... Là, on peut se laisser tomber, remarquez. Vous n'êtes plus obligé de revenir en arrière, en réalité. Hein. Et là, hop, regardez. Un petit saut de l'ange. Et je remonte par ici, sous la cascade qui n'est plus là. Et on voit ce passage. Alors je vais vérifier que j'ai tout ramassé, il ne faudrait pas que j'ai oublié des objets. C'est parfait. Il y a 13 ennemis à tuer dans ce niveau, donc je vous confirme que le chiffre affiché, c'est le bon. Et nous allons pouvoir terminer ce niveau. Je sauvegarderai sans écraser ma précédente sauvegarde. Alors on peut s'amuser, certains le font, à utiliser le mode photo pour aller voir ce qui se trame là au bout, par exemple. Et vous voyez, j'ai été trop curieux, je suis allé un peu trop loin ici. Bon, terminons ce niveau. Jusqu'au bout. Je vais tout de suite sauvegarder, ce serait plus prudent, sans écraser, je vous l'ai dit, ma partie. Très bien, rechargeons maintenant la zone avec le dinosaure. Touche F6, ça ne marche plus. Ah, c'est dommage ça. On va devoir charger comme ça. À présent, j'ai envie de vous montrer la petite animation bien sympathique qui concerne le T-Rex. On va tuer les enfants d'abord, c'est horrible. Bon, c'est pas ses enfants, hein. Les raptors n'ont rien à voir avec les T-Rex. Vous en avez largement parlé à l'époque.
et je vais décider de ne pas abattre ce malheureux T-Rex. Pour une animation de plus. Ah, le monstre. Voilà, je vais charger maintenant à nouveau la partie parce que je vais vous montrer autre chose. Nous allons tâcher à présent de ne pas tuer le T-Rex. Oui, oui, vous avez bien entendu. C'est un peu fou, hein, de faire une chose pareille. J'ai eu chaud. Je fais n'importe quoi pour ne pas changer. Admirez-moi ce paysage. Donc on va pas le tuer. On va se réfugier là. On va pas le blesser non plus, hein. Et on va aller chercher notre pièce machine par ici. Il est pas content, hein. Je suis en train de tuer ses copains Raptor. Là, je vais chercher ma première pièce machine. Alors on voit de temps en temps, vous l'avez vu, la barre de vie du boss, hein, c'est un boss. Donc on nous affiche sa barre de vie, c'est la nouveauté de ce Tomb Raider. Barre de vie qui nous permet de savoir où nous en sommes avec lui. Préfériez-vous de votre côté la version ancienne où on ne voyait pas la barre de vie des ennemis, enfin des boss, je ne sais pas. Bon, moi je ne la regarde quasiment pas en fait, c'est vrai, hein, je m'en rends même pas compte. J'ai jeté un coup d'œil tout à l'heure pour voir si vraiment je risquais de perdre une jambe ou autre chose. Ou la vie. Mais je la regarde jamais. Et boum! Allez, c'est quoi ce saut de l'ange, Morlock? Alors ici, bah, on va oublier les secrets, hein. Je vais vous emmener directement vers notre but. Ah, mais qu'est-ce que je fais? Il y aura de la Lara au menu ce soir, hein. Oh, oh. Je veux ma pièce machine. Il m'a mangé le derrière. Saleté de bestiole. On a notre deuxième pièce. Et il nous reste la troisième. Ça va pas être une mince affaire là. Parce qu'ils vont nous attendre au tournant, évidemment. J'ai pas été très malin de pas les tuer avant. Je vais devoir la jouer fine. Hein, parce que je veux pas, surtout pas blesser le T-Rex, hein, ça il faut éviter. Alors je joue avec l'eau, hein, pour me sauver. Je compte sur l'eau, oui. Celui-là est mort. Je sais pas ce qu'il en est de l'autre. Ah mais il est déjà mort, j'avais pas vu. Le T-Rex n'est pas revenu pour l'instant. Et je m'en sors plutôt pas mal. Je suis assez content de moi. J'ai un peu peur pour le retour.
Ça, c'est autre chose. Attention, Lara. Vous voyez, on peut tomber, hein, finalement, je vous l'avais dit. Ah, je sens la manette vibrer et le décor tremble aussi. Où il est le T-Rex? Il est... Oh là là, il est juste en bas. Admirez comme il est beau, si on compare. Hein, ça donnait avant plusieurs morceaux assemblés en un seul être vivant. Mais là, eh ben, il est magnifique ce T-Rex. Mais tellement magnifique qu'il me fait peur. Il m'attend au tournant, il m'attend. Je t'attendrai à la porte du garage. Allez, on essaye. Trousse de soins. Voilà. C'est pas souvent que j'en sors, alors vous pourrez me pardonner ce coup-ci. Hein. Oh la bestiole. Pourvu qu'il m'attrape pas là. Hein. Oh là là. Je sais pas s'il peut venir ici. C'est plus là. Oh, alors voilà. J'y suis arrivé. Alors c'est dommage qu'on ne voit pas les trophées s'afficher ici. Hein. Mais je pense que j'y suis arrivé. On va aller vérifier. On va aller mettre les pièces machine et aller jusqu'au bout du niveau parce que je ne sais pas à quel moment... Ça s'active, mes enfants. Donc je préfère être sûr pour ne pas vous induire en erreur. Voilà, je vais placer ces objets là où ils doivent l'être. Voilà, donc je saute ici et on va utiliser comme tout à l'heure notre saut de l'ange pour passer par-dessus la cascade qui a disparu. Bah, pas un saut de l'ange d'ailleurs, là j'ai raté mon saut et je quitte le niveau. Allons voir. Voilà donc pour nos deux trophées, l'un consistant à tuer le T-Rex et l'autre à ne pas le faire. Et je vous le montre sur PS5, ce dernier, histoire de voir l'accomplissement. Voilà pour ce trophée, vous le constatez, je n'ai pas tout récupéré, hein, je n'avais pas envie de me faire dévorer. Et chose promise, chose due... Interview, nouvelle interview sur la chaîne, et j'ai le plaisir d'accueillir quelqu'un que vous aviez déjà entendu bah, il y a pas mal d'années, c'est Éléonore. Salut Éléonore. Bonjour Margot, salut à tous. Comment vas-tu? Très bien. Toujours dans le monde de l'archéologie, puisqu'à l'époque, je me souviens, quand on avait discuté ensemble, c'était sur Tomb Raider, l'Ange des Ténèbres, et il me semble que tu étais encore étudiante à ce moment-là. J'étais encore étudiante, je devais être en deuxième année, un truc comme ça. Et maintenant, c'est bon, je suis diplômée, ça fait 3 ans maintenant. Et je travaille pas dans le secteur de la recherche, mais je travaille dans une maison de vente aux enchères. J'expertise des objets d'art asiatique et Moyen-Orient. Je fais Moyen-Orient, Asie.
parce que tu es devenu... C'est large. C'est large, oui. Ça te permet, en tout cas, ça te permet d'explorer tout ce que tu as pu apprendre durant ces années. C'est et puis ça. Peut-être de toucher aux cultures qui t'intéressaient particulièrement aussi. Ah oui, oui. Bah, moi, je suis spécialisée sur le Tibet et le Népal et la Chine. Alors aujourd'hui, bon, on est dans le monde du Pérou, on va en parler. Mais d'abord, j'avais envie de savoir si en tant qu'archéologue, tu as voulu à nouveau saisir la manette et jouer le rôle de cet archéologue de pacotille qui s'appelle Lara Croft. Est-ce que tu as testé ce remaster ? Alors oui, le 14 février, j'étais pas au resto. J'étais pas du tout au resto. On était nombreux, je crois. Voilà, et bien ouais, je me suis remise. Alors j'ai commencé par le 2, moi aussi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont essayé, oui. Le 2 évoque des lieux qui me sont chers, voilà. Et je passe un très bon moment. Bon, j'ai pas le temps de passer des heures, donc c'est un peu chaque soir, mais voilà. Par petites touches. Je suis très contente et c'est beau, c'est propre, c'est lisse, c'est incroyable. C'est vrai qu'on était tellement habitué à avoir cette grosse texture pixelisée que là, tout d'un coup, bah, on a vraiment beaucoup de bonheur. Et puis, c'est simple à utiliser en plus. On n'a pas besoin de patch et autres pour le faire tourner. Bon, et puis, je pense que tu te souviens du tout premier Tomb Raider, donc, dans lequel je suis en train de me balader, de cette séquence inoubliable avec le fameux T-Rex. Mais avant tout, on est à Vilcabamba. Alors, est-ce que Vilcabamba, t'en avais entendu parler avant le jeu ? Est-ce que ça te cause ? Moi, j'ai entendu parler de Vilcabamba en jouant au jeu quand j'étais petite. Donc, je connaissais avant mes études. Mais bon, voilà, j'en ai appris un peu plus après. Mais en fait, on ne sait pas où c'est. Et les derniers retranchements des Incas, en fait, quand Pizarro arrive... A priori, le reste de la cité impériale de Cusco se réfugie dans les montagnes et potentiellement, peut-être qu'il y avait plusieurs Vilcabamba, hein, qu'il y avait plusieurs grottes, plusieurs endroits comme ça. Et c'est comme ça que c'est resté un peu dans la légende, mais on n'a toujours pas retrouvé. En même temps, c'est pas très praticable comme coin du monde, donc. On s'en rend compte à travers le jeu, rien que dans ce qu'ils ont voulu définir. Finalement, c'est assez réaliste, si je puis dire, dans le sens où on n'y rentre pas comme on veut. Mais c'est vrai que ça reste un peu de la légende. Ça fait un peu penser aux cités d'or aussi, hein, qu'on a souvent voulu chercher. Est-ce qu'on les a trouvées ? Moi, j'ai parfois entendu on aurait trouvé la cité d'or, et puis après, non, c'était un fake. On n'en est pas là, je crois. Bah. Demande à Nathan Drake ce qu'il en pense. Hein. Pour lui, c'est l'homme doré. Oui, c'était pas mal vu, ça. Alors, c'est pas idiot. Du coup, on est dans la culture Inca, ici, dans le jeu. Parfois aussi, j'ai vu quelques allusions mayas, il m'a semblé, au niveau des gravures. Oui. Bon, on mélange un peu les deux. Est-ce que les deux, c'est la même chose, Éléonore ? Pas du tout, non. Ah, je m'en doutais un peu. Il y a deux... Alors, les Mayas et les Incas, c'est deux populations différentes. Les Mayas vivent grosso modo dans le sud du Mexique, le Guatemala, le Honduras, la péninsule centra-américaine. Et les Incas, eux, vivent au Pérou. Majoritairement au Pérou, parce qu'en fait, l'Empire Inca, c'est grand. Ça va de l'Équateur jusqu'au Chili, avec une partie de l'Argentine et une partie de la Bolivie, c'est immense. Mais voilà, et ensuite, la deuxième façon de les différencier, c'est dans la culture, la langue. Les Incas, par exemple, parlent le Quechua, ils n'ont pas d'écriture. Et les Mayas, ils parlent le Nahuatl, mais en fait, c'est un conglomérat de plusieurs patois, enfin, je ne sais pas comment dire. Oui, de langue. Dialectes. Ouais. Et eux, ils ont une écriture, par exemple. D'accord, voilà. Ça les différencie pas mal en effet. Et donc dans le jeu, toutes ces gravures, toute cette architecture qu'on pouvait voir reflète ce que les Incas avaient développé comme c'est architecture. C'est compliqué parce qu'en fait, quand les Espagnols y sont arrivés, ils ont tout rasé. Donc pour l'architecture, c'est compliqué. Alors on peut se référer à ce qu'on trouve au Machu Picchu. Oui. Et c'est des petites salles, le Machu Picchu, c'est des petites constructions, c'est pas les immenses salles qu'on peut traverser. Après, moi, ce que j'ai trouvé bien dans le jeu, dans ce remaster, mais aussi dans Anniversary, par exemple, c'était la place qu'ils accordaient aux textures de roches, de grosses roches dans le mur, parce que c'est ça les Incas.
C'est les Incas, eux, ils taillaient des pierres au millimètre près pour qu'elles s'imbriquent les unes aux autres sans mortier. Ah oui, en effet. Ça, je trouve que c'est bien rendu, c'est pas si mal. C'est vrai, au niveau du jeu, on a vraiment cet esprit-là. Et puis, je crois savoir que cette culture nous a laissé très peu d'éléments comme des statues ou autres, parce que je crois qu'ils travaillaient surtout le bois, peut-être aussi les métaux précieux, mais il y a beaucoup de choses qui ont disparu aussi avec Exactement, le temps. Exactement, ouais. Il y a beaucoup de choses qui ont été fondues. Par exemple, il y avait un temple du soleil à Cusco. Et alors, c'est compliqué. Alors, ce temple du soleil, ils y entreposaient les momies de leurs empereurs décédés. Ils les vénéraient, ils les changeaient, ils les habillaient, ils leur offraient à manger. Quand les Espagnols y sont arrivés, ils ont eu ça. Sacrilège. Ils ont tout rasé. Et en fait, tout était plaqué or, turquoise. Enfin, ça devait être somptueux, mais il n'y a plus rien. Il n'y a vraiment plus rien. Ils ont pillé et détruit tout ce qui pouvait exister. C'est vrai qu'on avait tendance à rejeter à cette époque-là les autres cultures. On parlait de païens et seule la religion... que l'Espagne pratiquait était valable finalement, et c'est ce qui se passe. En tout cas, ici, Lara a trouvé finalement cette mystérieuse cité de Vilcabamba. Lorsque tu as vu la manière dont elle s'y prenait, toi, lorsque tu as commencé à faire tes études et lorsque tu as été justement faire des chantiers, je crois que tu en as fait quelques chantiers de fouilles. J'ai fait quelques chantiers. Tu dirais quoi des méthodes employées par Mademoiselle Croft? Alors, moi, je suis un peu mitigée parce que découvrir des ensembles architecturaux, des complexes architecturaux comme ça, entiers, aujourd'hui, ça n'arrive pas tous les jours. Ça tient presque du miracle. En général, quand on fouille un truc qui est au ras du sol, on patauge dans la boue et voilà. C'est un peu, c'est ça, un défi archéologique, hein, basiquement. Quand on entre dans une grotte et qu'on débouche sur des complexes architecturaux, j'essaie de me mettre à sa place. On y va, il y a des pièges qui déclenchent, il y a des boulets qui tombent, enfin bon, okay. De toute façon, qu'est-ce qu'elle peut bien faire? Elle est de toute façon dans un contexte illégal, donc. Voilà, déjà, elle pourrait être poursuivie pour ce qu'elle fait. Alors, elle pourrait être poursuivie, elle débarque dans un endroit, elle ne sait pas ce qui l'attend. Normalement, alors la marche est suivre. Oui. On tombe devant une grande porte comme celle de Vilcabamba, là, dans le premier niveau. On est censé prévenir les autorités, voilà. Et c'est les autorités qui entrent. Ok. Après, imaginons, c'est un régiment, ils sont 50 chasseurs de trésors, ils rentrent là-dedans, ils sont organisés. Là, c'est un massacre, oui. Mais là, elle est toute seule, donc je sais pas trop. Puis j'imagine qu'après, il y a... Je suis très mitigée. Elle arrive au bout, là, au tombeau de Coelopec. Elle trouve le sion, tout s'écroule, bon, elle a tout faux, enfin voilà, c'est pas comme ça qu'on fait. J'imagine qu'on essaye de ne pas détruire le minimum possible, voilà. Hein, évidemment. Normalement, il faut rien détruire, parce qu'en fait, dans les musées, on a tout un tas d'objets partout dans le monde, hein. Il y a tout un tas d'objets qui ont été sortis de leur contexte. Et c'est le contexte souvent qui donne le ton sur un objet, savoir si c'est un objet culturel, un objet de la vie de tous les jours, un objet... religieux, pas religieux, de pouvoir, un symbole, un truc. Enfin, c'est savoir où il a été trouvé, dans quelle partie du site. Tout est signifiant, en fait. Tout, absolument tout est signifiant. Ça nous raconte une histoire. Ça nous raconte une histoire, en fait, hein, le fait voilà, de pouvoir identifier les lieux. Elle aurait trouvé une poterie dans le premier niveau. Ou dans le quatrième niveau des Andes, ce serait pas la même signification. D'accord. Enfin, d'ailleurs, dans le comment ça s'appelle dans la le niveau 2, partie du Cabamba. Oui. Là, dans les petites baraques, là, dans les petites maisons, il y a des céramiques mochées. Ce sont des céramiques mochées. Les poteries qu'on voit entreposées. Ouais, exactement. Ouais. C'est des céramiques mochées. Et c'est des céramiques qui ont une forme très caractéristique parce qu'elles ont une forme d'étrier. Ah oui, très bien.
Et ça, c'est très caractéristique des cultures andines. Et elle aurait trouvé cette poterie dans le tombeau de Coalopec, elle n'aurait pas du tout eu la même signification. Là, on la trouve dans une habitation de la zone résidentielle de Vilcabamba, là où sans doute les gens s'étaient réfugiés puis vivaient leur nouvelle vie. Et bah, c'est un objet usuel et pas un objet symbolique de pouvoir. Voilà. Ou religieux ou autre. Bête, oui, oui. Mais c'est ça le contexte. On a bien compris. Et donc, malgré tout, tu restes fidèle au jeu, je constate ça. Oui. Quand tu auras terminé le 2, tu auras envie d'enchaîner sur lequel ? C'est une excellente question. Le 1 ou le 3 ? Le 3 fait peur en général. Alors, le 3 m'a toujours fait peur. Je ne l'ai jamais terminé d'ailleurs. L'Inde, ça. Oh avec les statues qui prennent vie là. Oh là là, mais quel enfer! Ça m'a toujours fait un peu flipper. Après, à voir avec les nouvelles textures, les nouveaux graphismes. Et puis, une meilleure maniabilité aussi. Je vais repartir sur le premier. Et si je devais le remettre dans l'ordre. Et si je devais te demander le niveau qui vraiment toi t'as emballé, enchanté, que tu as peut-être même eu envie de découvrir pour de vrai dans un lieu réel. Ah bah la muraille de Chine. Évidemment. Ah bah j'ai fini par y aller. J'y suis allé deux fois. Et voilà. Et c'est aussi enchanteur que dans le jeu et c'est parfait. Est-ce qu'il y a des couloirs, des galeries secrètes à l'intérieur ? Non. Non, dommage. Là, on sort de la légende. Oui. Eh bien, écoute, Éléonore, je te remercie beaucoup d'avoir participé à cette vidéo et à cette petite interview. Accepterais-tu de revenir nous parler d'un autre niveau comme l'Égypte ? Ah bah oui, avec plaisir. Je crois que tu aimes bien aussi. C'est toujours pas ma spécialité, mais oui, avec plaisir. J'adore l'Égypte. C'est-à-dire, j'y connais rien. Parce que c'est pas ma spécialité, mais je crois que c'est la civilisation que je préfère après la Chine. Bon, je n'oublierai pas la muraille de Chine lorsqu'on y arrivera, promis. Voilà, exactement. Merci encore et bonne route pour la suite. Continue sur ce beau chemin. On se dit à très vite. À très vite. Salut. Salut. Voilà qui conclut notre vidéo. Vous aurez peut-être aperçu mon utilisation d'un glitch pour traverser les blocs dans la section où j'interviewais Éléonore. Je vous en parlerai plus tard de tout ça. En tout cas, aujourd'hui, et grâce à Éléonore, nous avons pu parfaire notre culture Inca et même Maya. La prochaine fois, dernière étape du Pérou. Et pas la moindre. En attendant, je tenais à remercier les tipeurs de la semaine pour leur soutien vis-à-vis de la chaîne. Merci à Palou, merci à Ishimura X et merci à nouveau à David le Roi Dragon 25 pour sa nouvelle participation sur Tipeee où vous pouvez vous aussi soutenir la chaîne. Et je remercie tous ceux qui le font de manière très régulière aussi, bien sûr. Nous nous retrouverons très vite avec de nouvelles interviews aussi en fin de vidéo, et puis de nouvelles astuces, évidemment, et toujours nos points culture habituels. Que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes, comme on le dit en terre du milieu. La tour sombre de Stephen King, bah oui, ça vient de là. Et je vous dis à très vite.